Bonjour à toutes et à tous. Après une semaine plombée par la Corée et Washington, le CAC 40 tente de rebondir ce matin, veille de 15 août. On commence ce point avec SII au premier trimestre 2017-2018. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 129,32 millions d'euros en croissance de 24,3%, dont 10,6% de croissance organique. Dans une actualité calme, on suivra également aujourd'hui CNP Assurance. Kexa Securidad a notifié à CNP Assurance sa décision de ne pas renouveler par tacite reconduction à son échéance l'accord de distribution existant au Brésil des produits de leur filiale commune. Enfin, Air France invite ses actionnaires à une assemblée générale mixte le 4 septembre prochain à Paris. Gros plan ce matin sur Airbus. L'Iran négocie avec le géant de l'aéronautique l'achat de 48 hélicoptères à usage civil, selon la presse locale, suite à la levée des sanctions internationales dans le cadre de l'accord sur le contrôle du programme nucléaire mené par Téhéran. L'Iran a déjà commandé une centaine d'avions. Si la commande venait à se concrétiser, elle offrirait un bol d'air frais à la filiale d'Airbus qui traverse une période pour le moins difficile en raison notamment de l'effondrement de la demande dans le secteur de l'énergie dans le sillage de la chute des cours du pétrole. Je vous souhaite une très bonne journée, vous donne rendez-vous à midi pour le prochain flash.